Synchronisé. Ben, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le dernier vidéo, je vous ai présenté le nouveau projet que j'entamais. Puis c'est une Mazda Miata. À chaque nouvelle voiture qu'on se procure, usagée, c'est toujours une bonne pratique d'inspecter l'auto avant de commencer à faire trop de modifications. Juste pour être sûr d'avoir une bonne base. Puis de dire qu'il n'y ait pas des surprises, ou du moins qu'on soit pas au courant des surprises qui pourraient s'en venir. Dans mon cas, j'aime ça regarder l'auto de fond en comble le plus vite possible avant que je roule un peu trop souvent avec. Juste pour avoir le cœur net avant de me lancer dans quelque chose. Puis au moins de me rassurer que j'ai fait peut-être un bon choix, ou si j'ai fait un mauvais choix, ben que je sois au courant puis que ça va aider à avaler la pilule plus vite. Ben comme j'avais dit dans la dernière vidéo, ben c'est dans cette vidéo-là qu'on fait ça. Fait que la première étape, ben c'est de jacker son char. Puis c'est la première fois que je voyais tu l'auto depuis que je l'avais acheté. Puis mon but premier, c'est de faire le premier changement d'huile. Peu importe quand est-ce qu'il a été fait dans le passé, c'est toujours une bonne pratique de faire toi-même ton changement d'huile. Comme ça, tu pars tes entretiens à toi sur un bon pied, puis tu sais quel kilo que tu as fait tes entretiens. Puis en même temps, ben, ça te permet de voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'auto, puis voir s'il n'y aurait pas des petites choses à changer. Tant qu'à être là. Bon, ben juste en jackant le char, ça a fait une flaque. Il y a bel et bien une fuite d'huile, parce que tout ça ici, c'est tout plein d'huile. C'est ramassé là, il y a un ramassé là. Là, c'est à savoir d'où ça vient, parce que ça peut venir d'un peu n'importe où. Et là, juste avec le vent, c'est sûr que l'huile s'en va toute vers l'arrière, puis se ramasse dans les petits raccoins de même. Ça a l'air d'être à partir d'ici. Jusqu'en arrière qu'il y a de l'huile. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, ou en tout cas essuyer le plus possible. Je vais faire le changement d'huile, puis quand je vais rejacker une semaine, couple de jours plus tard, ou une semaine plus tard, je vais voir où que l'huile se retrouve encore, puis s'il y en a autant. Parce que là, ça veut rien dire, ça fait peut-être 2 ans que c'est le même, ça n'a pas été touché. Fait que c'est peut-être l'accumulation de 2 ans. Fait qu'il n'y a peut-être pas une si grosse fuite que ça. Aussi, il faut que j'enlève ce panneau-là, parce qu'on voit pas grand-chose sur le moteur. Fait que je vais tout nettoyer ça. Je vais essayer d'enlever ça ici, puis on va avoir une meilleure vue de où est-ce que l'huile s'en vient, où est-ce que l'huile arrive. En tout cas. En tout cas, ça sert d'antirouille. Oups! Je pense que je viens de trouver mon problème de reculons. Je vais montrer ça sur l'autre caméra. En attendant que l'huile finit de drainer, je suis en train de fouiller un peu sa transmission pour voir si la reverse switch était problématique. Puis, selon ce que j'ai lu sur les internets, ça, je pense c'est ça, la switch de reculons. Je peux me tromper, mais si je suis le fil qui s'en va par en haut, puis il fait une loop par en arrière, je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Floup! Fil tout pété, tout rongé, coupé, je sais pas. En tout cas, il y a un fil ici qui est pas connecté. Ouh, hey, il a l'air d'avoir été réparé. Ouais, ça a l'air d'avoir été réparé, cette affaire-là. C'est bon à savoir. Je peux peut-être le réparer, moi, tout, plus tard. Pas là, là, pas aujourd'hui, mais ça va être justement une des choses qui va être rajoutée sur la liste. Mais c'est bon à savoir, il y a vraiment un problème. C'est pas les lumières en arrière. J'allais faire les tests des bulbs, savoir s'ils étaient brûlés, mais j'ai la réponse ici, je pense. En tout cas, il y a quelque chose qui marche pas dans le coin ici. Puis la raison est que le fil est bouffé. Fait que une bonne chose de trouver à date. Bon, ben à date, dans mes recherches, en tout cas dans ce coin-là, par en arrière, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à rajouter sur la liste. Bonne nouvelle. Faut que je résiste à sortir dans tout de ça. On va remettre la plug. On va torquer ça après. Ah! Vraiment meilleure vue de tout l'avant du moteur. Bon, je viens d'enlever le cover. Et on peut voir que... Bon, en tout cas, j'imagine, là, il y a clairement quelque chose ici qui se passe. Surtout dans ce coin-là, c'est louche un peu. Là. Je sais que c'est pas un seal qui s'ajette puis qu'on vient juste squeezer. Faut faire notre propre seal. Fait que ça se peut clairement que ça fuit de là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une traque ici. Puis je pense que c'est dans les curves comme ici. Fait qu'on le voit ici un peu, là, il y a un petit bout de seal. Ça, c'est des seals qu'on ajette. Qu'il y en a en avant puis en arrière. C'est un peu dur à dire. Cette boîte-là est bien toute ronde. C'est-tu parce que ça coule ici puis ça tombe là-dessus après? Ou c'est le steering rack
qui fuit, ça, je sais pas. En tout cas, là, je devrais avoir un meilleur accès au filtre à huile qui est dans le fin fond en arrière de là. Fait que je vais le changer, je vais remplir l'huile, qu'au moins le changement d'huile, ça va être fini. Puis je vous ferai un petit résumé de qu'est-ce que j'ai observé en explorant sur l'auto. Bon, fait que je suis en train de nettoyer la panne ici, puis j'ai vu que ce cover-là ici est craqué. Sûrement ça a été trop torqué ou je sais pas. Ça a l'air d'être le cover ou ce que le timing belt est en dessous de ça. Tu peux-tu? Je peux me tromper en tout cas. C'est sûr que ça va être à changer de moment donné. Dis-moi donc, le monde qui connaît ça, tu as changé d'urgence ou je peux continuer à rouler avec ça? En tout cas, si c'est urgent, allez tout de suite dans les commentaires, mais je vais m'en occuper plus cet hiver là. Bon, ben je viens de découvrir que ça a fait de l'huile. Je sais pas c'est quoi, je vais faire un peu de recherche, mais dis-moi donc, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être un ceinture. Du coup, il y a un fil qui part de là. Puis, petite note, êtes-vous contorsionniste, vous autres, là, pour aller chercher ce filtre-là? C'est pour ça qu'il existe des kits de relocalisation de filtres à huile? C'est pas le filtre le plus atteignable, hein? Ouais. Je viens d'essayer de l'essuyer. Vous voyez, il y a encore des morceaux de papier. Ça a l'air d'être de la vieille huile. C'est tout collant. C'est peut-être pas récent, ça, que ça avait coulé. En tout cas, ça a pas l'air d'avoir coulé plus qu'il faut. Je vous dis quoi? Bon, nouveau filtre installé. Pas moyen d'enlever ça sans foutre un bordel, hein? Ça coulait partout, dans tous ces trous-là ici. Oh là là! Hey, c'est fait! Yes! Premier changement d'huile. Bon, je vous disais que je vous ferais un petit topo après que j'aille passer en dessous du char, à savoir qu'est-ce qu'il y aura à faire. Puis pour vrai, là, je suis en arrière de l'auto. Puis désolé pour le son, là, j'attends qu'il fasse plus de bruit, mais ça arrive jamais. Fait qu'il faut que j'avance la vidéo, là. Fait que tout a l'air pas payé. Tout a l'air en good shape. Pas de rouille majeure. T'sais, c'est sûr que l'exhaust est pas en pleine forme, mais on s'entend. Ça va disparaître bientôt. Sinon, tout a l'air santé. Tout a l'air solide. C'est sûr que certains bushings... Certains caoutchoucs qui ont l'air d'être un peu plus fatigués que d'autres, ça, au pire, ça sera changé dans le futur. Mais il n'y a rien de lousse, au moins. Coupe de toile d'araignée, un peu partout. Non, tout a l'air pas trop pire. En tout cas, à l'arrière, ça ressemble à ça. Je vais aller en avant. En avant, même affaire, autre que ce qu'on a parlé tantôt pour l'huile, ce que je vous ai montré ici et là. Tout a l'air en super forme. Ça, c'est une petite mousse là qui est juste déchirée. C'est rien de majeur. Sinon, ben encore en avant, tu vois que les bushings commencent à être un peu plus secs, ils ont de l'âge. Hein? Fait que clairement qu'un jour, si je veux améliorer ça, il va falloir que je change les bushings à grandeur. Les freins ont l'air encore super bons. Suspension, ça va disparaître bientôt. Sinon, j'ai lavé le mieux que je peux. Là. C'est pas un gros lavage en profondeur, mais au moins, là, il y a un avion. Bon, je sais plus ce que je disais. Mais oui, j'ai pas fait un lavage en profondeur, mais au moins j'ai enlevé l'huile qui coulait un peu partout. Fait que la prochaine fois quand je vais leur jacker, je vais pouvoir regarder où ce que l'huile s'en va. Puis ça va me donner encore une meilleure idée. Ou ça va confirmer que l'huile coule vraiment de la panne à huile en avant. Sinon, pour vrai, j'ai pas grand chose à dire. Quand même assez content. Ça a l'air d'être en pleine forme. Puis y a rien qui m'inquiète tant que ça. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, tout est regardé, il y a une chose qui m'énervait depuis que j'avais acheté l'auto puis que j'attendais de filmer cette vidéo-là pour pouvoir l'enlever, c'est la critique grille en avant. Je sais que c'est une grille qui peut aider à protéger le radiateur, mais maudit que c'est laid. Je m'excuse aux anciens propriétaires, mais c'est pas dans mes goûts. Fait que ça faisait vraiment du bien de l'avoir enlevé. Puis ça change déjà là tout le look du véhicule. Sinon, sous le hood, mais comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je pense que la petite fuite d'huile ici, il doit y avoir des seals là-dedans qui sont à refaire. Sinon, le seal de cover va être à changer. On voit qu'il y a une petite fuite un peu partout. Mais ça, c'est assez commun, je pense. On va avoir besoin d'un bon lavage, comme vous pouvez voir. Fait que ça, je vais faire ça un moment donné, passer au travers, tout nettoyer. J'ai regardé le filtre à air, tout est super propre, tout est neuf. Fait que rien de plus à dire ici. Après ça, une bonne chose qui peut aider à rajeunir l'auto, c'est de buffer ses lumières. En tout cas, faire une petite restauration dessus. Parce que dans mon cas, ben, il était pas mal jaunâtre. Puis assez. Il y avait de l'âge. Fait que j'ai pas eu un kit bien standard 3M pour restaurer les lumières. Puis ben, je me suis lancé dans ça.
Bon, fait que la job est finie. C'est pas la meilleure des jobs que j'ai faite. Clairement, ça va être à refaire. Mais au moins, en ce moment, ça va être bien parfait. Au moins, c'est plus jaune. J'ai coupé ce cours. Au moins, c'est vraiment mieux. Mais c'est sûr qu'il reste encore des scratchs. J'ai arrêté parce qu'il fait ben trop soleil puis il fait ben trop chaud. Fait que l'eau s'évapore presque instantanément. Fait que ça fait pas une bonne job. Fait que ça va rester de même. Fait que je referai la job une autre fois. Mais bien content du résultat, pareil. Ça fait une bonne différence. Rien que ça, là, ça peut tellement changer le style de ton char. Puis pour vrai, ça doit être l'affaire la plus satisfaisante que j'ai faite cette journée-là. Je pense que c'est la chose qui a plus changé le look du char. Puis qui m'a donné l'impression que c'était pas l'auto que j'avais acheté. On se comprend, là. C'est pas un char neuf. Mais ça change vraiment. Puis là, la prochaine étape, c'est d'installer les roues. J'étais pas sûr que j'allais les installer dans cette vidéo-là, mais je peux pas m'empêcher. De un, mes roues d'origine, il y avait une vibration environ à une certaine vitesse. Puis, je voulais vraiment m'assurer que ce soit mes roues d'origine qui était le problème et non un driveshaft mal balancé, ce qui m'aurait étonné. Mais tu sais, des bushings qui commençaient à être lousses, puis que ça donnait de la vibration dans le driveline. Fait que j'ai décidé de mettre mes roues que j'ai achetées, ça fait plusieurs mois, l'hiver passé, puis qui attendent dans mon sous-sol depuis longtemps. Je pense que c'est la première pièce que j'ai achetée pour la Miata, sans même avoir acheté la Miata encore. Mais bon, les roues, pour l'instant, ça sera pas mon kit final, c'est juste un deal que j'ai trouvé sur Marketplace pour l'instant, qui était pas trop cher, puis que c'était des modèles qui m'intéressaient. C'est des cossés, ça. En tout cas, des cossés, c'est bien lettre comme mot. Ça, cette marque-là, K1, qui sont vraiment populaires dans le monde des Honda. Mais moi, c'est un genre de style que j'apprécie. Fait qu'on parle des 15 pouces par 7 de large, plus 25, 27, je m'en rappelle plus. En tout cas, ça se tourne dans ce coin-là, c'est pas 2 mm qui vont faire une grosse différence. Parce qu'il existe plein de fitments différents dans le 15 pouces par 7. Fait que c'est bon à savoir. Fait que moi, c'est des 15 par 7 plus 25-ish. Avec des pneus 205, 50, 15. Puis, je pouvais pas m'empêcher de mettre des noix noires faites par Gorilla. Qui est pas mal une marque qui coûte vraiment pas trop cher. Puis qui rouille pas en 2 secondes. Les roues sont vraiment pas neufs. Le gars qu'ils avaient avant, puis l'autre gars d'avant qu'ils avaient, faisait de la track avec. Fait qu'on peut dire qu'il y a un peu de pétina de course. Fait que c'est cool, right? Ils ont des scratchs, mais c'est des scratchs de cool, non? En tout cas, dans le futur, je prévois peut-être les refaire, les remettre à neuf. Ce sera un projet pour une autre fois, mais pour l'instant, au moins je me sentirais pas mal de m'amuser un peu avec, puis de les scratcher un peu plus. De toute manière, ça paraît trop beau. Bon, mais je viens de découvrir en déjackant mon char qu'il y a de l'huile qui coule de là. Je sais pas si c'est normal. C'est-tu le rear main seal, ça? Puis là, ben, dans le bel housing de la clutch, ben, ça coule à côté, puis ça tombe à côté. Puis ça tombe dans ce trou-là. C'est-tu pressant, ça? Puis tu sais, dans la dernière vidéo, j'avais parlé que il semblait pas avoir de rouille sur l'auto. Mais il se trouve que quand je m'amusais sur l'aileron en arrière, parce que l'aileron en arrière d'origine était un peu lousse, fait que je me suis dit, hey, je vais la resserrer. Fait que j'ouvre la valise, puis qu'est-ce que je vois pas? De la rouille autour des bottes. Fait que moi, je me dis, bon, on va dévisser les bottes, on va enlever l'aileron, regardez qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. De la belle rouille. Je sais pas si ça a clairement pas été installé d'origine de même, mais en tout cas, quand ils ont percé, ils ont clairement pas protégé les trous qu'ils ont fait. Puis la rouille a tout l'air d'avoir... ça a été éparpillé. Puis en même temps, ben, il y avait comme pas de foam de protection, fait que l'aileron frottait directement sa peinture, ça allait grinder la peinture, ça l'a tout enlevé, puis il y a de la rouille qui a commencé là-dedans. Mais bonne nouvelle, une valise, ça change facilement. Fait que pas trop pire. Fait que là, moi je l'ai revissé correctement. J'ai mis un tape double face sur les trous pour éviter de l'infiltration d'eau parce que clairement qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la valise, qui est pas une autre bonne chose, mais à date j'ai pas vu de rouille dans le fond de la valise. Fait que on est good. Bon, fait qu'au final, ça peut sembler surprenant. Mais je suis quand même satisfait de toutes mes recherches. Ça me fait pas peur, toutes les choses que j'ai découvertes. Il y a beau pisser l'huile partout, mais j'ai l'impression que c'est toutes des choses qui vont être facilement, qui vont être réglables pendant l'hiver, quand je vais avoir le temps, puis que l'auto pourra même pas sortir de toute manière pendant l'hiver, puis que mon garage va être fini. Fait que je vais être au chaud à travailler tranquillement sur l'auto. Je vais avoir au moins 25 mois d'hiver au Québec. Fait que on va avoir le temps de travailler dessus avant de recommencer l'été. Fait que si on se fait une liste,
parce que tout projet qui se respecte a une liste de choses à faire. Fait que si on commence, en premier, on a toutes les seals puis les gasquettes concernant le moteur. Fait qu'on parle du head gasket, de la panne à huile, le front main, le output shaft ou je sais pas c'est quoi les noms, puis etc., etc. Toutes les seals ici et là qu'on va pouvoir changer tant qu'à avoir le moteur frais et dispo pour ça. Deuxièmement, tout ce qui est seals et gasket accessible de l'extérieur de la transmission, puis les petits bearings qui seraient disponibles aussi tant qu'à avoir le moteur. Parce que dans ma tête, faut que je vous partage ça. Dans ma tête, je veux sortir le moteur du char. C'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai le goût parce que j'ai jamais sorti le moteur de ma vie d'un char. Puis en même temps, j'aurais le goût de faire le ménage, en profiter pour tout laver. Ça va partir à neuf, plus d'huile. Fait que, anyway, ferme la parenthèse. Fait que tout ce qui a rapport à la transmission, tant que ça sera accessible, on pourrait le faire. On a la réparation du fil du backup light qui va être à réparer. Fait que ça va être fait aussi. Quand j'ai lu tous les entretiens des anciens propriétaires sur l'auto, j'ai vu que la timing belt a été faite, mais juste la timing belt qui a été faite. Pas la pompe à eau, rien d'autre auto. Genre la facture, c'était timing belt, temps, fin. Fait que je pense que, comme je disais, tant qu'à avoir le moteur sorti, on va peut-être sortir la timing belt, la pompe à eau, puis tout changer dans ce coin-là. Puis en plus, le cover qui a l'air d'être craqué, je vais essayer de le retrouver. Ça vient-tu avec le kit de timing belt? Je sais pas. À voir. On rajoute ça à sa liste. Faut que je refasse la job de buffer les lumières. Tant qu'à être là, je vais voir la clutch, de quoi ça a l'air, puis on va-tu la changer? Est-ce qu'on va l'upgrader? À voir. En tout cas, on rajoute ça à la liste. La valise, je m'en fais pas trop. Je m'en occupe pas tout de suite. Mais c'est un to-do list, mais à long terme. Fait qu'on va laisser ça de même. Puis vite fait de même, je pense que c'est assez. Je pense que ça va être ça pour l'instant. Le reste, ça va être des modifications qui vont remplacer les choses qu'il y aurait à changer. Puis maintenant que je sais... Puis on va se dire les vraies choses, là. Maintenant que je sais de quoi ça a l'air, l'auto, la condition, puis que l'huile, c'est... C'est à faire, mais c'est pas extrêmement pressant. Mais je me gênerai pas pour commencer à modifier. J'attendrai pas de tout faire cette liste-là pour commencer à modifier l'auto. Puis en parlant de modification... Je pense que vous en doutez déjà, mais... J'ai pas mal de pièces qui attendent depuis longtemps puis qui me regardent. Puis en ce moment, quand je tourne actuellement la vidéo, là, cette partie-là, il y en a déjà qui sont déjà installées. Fait que je vous le garantis, il y a pas mal de vidéos qui s'en viennent. Il y en a déjà qui sont déjà enregistrées au moment que je vous parle en ce moment. Parce que quand j'ai filmé la vidéo de ça, puis en ce moment, on est peut-être... Je pense qu'on est déjà un mois et demi plus tard. Fait qu'il y a déjà pas mal de choses de ça qui sont déjà installées, que je suis prêt à vous présenter. Puis si on s'entend, c'est juste la première partie des modifications. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que j'ai en tête. Mais pour l'instant, je vous dirais que je suis vraiment satisfait. Les lumières, ça a vraiment changé. Ça fait du bien d'enlever la grille. Je sais tout avec quoi qu'on travaille. Fait que ça me rassure beaucoup. Les mags, ça fait vraiment une bonne différence. Ça rajoute un bon stance. Je cacherai pas que je suis dû pour dropper. Ça aura du bien. Mais sur ce, j'en dis pas plus. J'ai assez parlé. Je pense que je parle beaucoup dans les vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo-là, abonnez-vous. Likez la vidéo. Commentez. Dites-moi n'importe quoi. Dites-moi juste jaser. Moi, j'attends rien que ça, vous jaser. Puis sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut, là! We'll be right back.